Voilà, si vous êtes à l'étranger, nous nous sommes en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Chers internautes, bienvenue, merci beaucoup pour votre fidélité sur Congo Live Télévision, tous à la Bongo, Bomo Mesano, tous les jours pour pouvoir vous accompagner pendant quelques minutes. Voilà, l'actualité, vous êtes sans ignorer que l'actualité reste dominée par le discours du chef de l'État, Abeta Kibongo, c'était sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est en avis à l'Assemblée générale de l'ONU, déplorant l'insécurité et la crise humanitaire Est de la République démocratique du Congo causée par l'agresseur rwandais. Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exigé du haut de la tribune des Nations Unies des sanctions efficaces contre le Rwanda. Voilà, Ezabongo, première thématique, Tokotsplate Bongo, na plateau, chers internautes, Tokolobelapel, Kambo et Talibongo, dialogue, changement, il y a constitution, topé révision, voilà, sujet en Ozongil na table, voilà, c'est l'idée thématique retenue. Alors, je suis très heureuse de pouvoir recevoir pour vous, moi, Mboka, Tom Kapuya, Zabongo habitué, n'est-ce pas? Il y a émission Oyo. Mboka, Mbote, Boyin, madame. Madame Estienne, Sengo, il y a pour vos invitations à chaîne Abissoya à Congo Live. Et là où on parle toujours des réalités, sans formol, sans flatterie, sans kobomba, au moins qu'il y ait un casque colonial. Et il y a une colère, casque Oyonga, la troisième génération, il y a quoi utiliser en haut, il n'y a pas grand-père Nangai. Grand-père a pêché mon pauvre père a pêché Nangai. C'est pour te dire que ma solo, il y a un bon cas, un esprit, il y a un coco, il y a un Koyoka, fils de Sphinx, son Excellence Félix Antoine Tshilombo. Il y a un bac qui est dans la tribune, il y a les Nations Unies, il y a la 75e, 79e session, il y a l'Assemblée Générale. Et j'ai apprécié ce que tu as dans le poteau à l'occasion. Et il continue toujours, il y a Koloba, des choses, où les Congolais, les Ndaka Koyokate, et le Tozozongela, na Ndenge, Non, oui, colère, c'est mais de casque, oh yo, ça me fait du mal, héros, esclavagisé, na. Na esclavagisme, na pillage à ressources, na oil, son excellence, fait que ça que tu l'as va ma colère, Kanda, Kanda mère, vraiment. Voilà, sans plus tarder, Koko Tabongo, on a sujet Nabiso, aux première thématique sur les discours du chef de l'État. C'est en 9e Assemblée générale dans l'ONU. Président de la République, Abeti Bongo, cité dans le Cambo Italie, agression rwandaise, a exigé Bongo que le Rwanda quitte le sol congolais. Analyse Nayo dans l'ensemble, premièrement sur les discours du chef de l'État, Issa Bongo. Oui, Nazo Komisamingi, fils de Sphinx, son Excellence, le cadre où tu as la diplomatie gagnante, et intelligente et active. Dans le sens que Maye Oyo, comme vous savez, Lelo, Ezaki Oyo, Falaki, sénateur à vie à ça, là, Joseph Kabange, il fallait que Maye Oyo, Moussa Laurent Désiré Kabila, à ça, là, mais Bazaki, ba incapable à ça, là, parce que Bango Bazaka, fruit, il y a occupation, Oyo, Tozanango, na Congo, Baza, fruit, il y a crime contre l'humanité, Baza, fruit, il y a pillage, il y a ressources, Nabiso. Du fait que conflit au Yabiso ya Congo, à l'occurrence dans l'Est, même Maréchal Mobutu a ça dénoncé Kango. Je ne sais pas si c'était dans quelle session, Assemblée générale, où il y a le non, mais à moi, Mokoya, na Bukavu, à se autoproclamant président ya Bukavu. Et c'est pour dire que il y a complicité, il y a communauté internationale, Tozo Lobela, basana considération na Africain, à l'occurrence, notre pays RDC, et on n'a jamais, l'Afrique n'a jamais été indépendante. Le Congo n'a jamais été
indépendant. Oh, toujours non, bon, ça malgré fait... malgré l'indépendance, oh, toujours. Non, non, oh, toujours en 1960. Oh, et... Ça fait déjà 64 ans, il y a indépendance, on n'a jamais été indépendant. Du fait que... Naba, secteur, nous, c'est qu'on a plein, nous, c'est aux a indépendant. Indépendance, on a un troisième secteur économique. Tous en économie moko extraverti. Et économie nabiso ils ajoutent toujours 6 dollars. Les dollars ce n'est pas les monnaies. Il y a Afrique et les monnaies y a bah américaines. Et les Américains bah imposent nabiso dollars comme monnaie d'échange, monnaie des unités de mesure y a monde après deuxième guerre mondiale 1945. Et tout est 6 dollars. Tout est calculé 6 dollars. Et les bourses est coté 6 dollars. On est encore esclaves. Esclavagisme politique. Politiquement, c'est l'homme occident qui nous impose toujours les canivales, qui nous impose toujours au bisoto kosala, au tokoki kolanda, et naba thématique nae, naba thèse nae, au yaz imposé biso. S'il y a un président africain, au ya kolinga ke, à recadrer bango à quel sens moko contraire par rapport au ya bango bazolinga ke et ça les met toujours na intérêt égoïste na bango bakubo maé na kotanga lo mona ngai Thomas Sankara je ho ya kenda na idée ya ke nono cultivant Afrique manger bio Afrique et quittant na dicta na esclavagisme ya homme occidental. Il a été assassiné, je peux te citer encore Kadhafi. Non, l'Occident est en train de nous maltraiter parce que nous avons la politique à mettre en dit. Nous, si nous avons besoin de développement, il faut que nous recourir à une institution financière, à un Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Et quand ces gens-là vous donnent l'argent, avec leur agenda caché, avec leur projet, vous pouvez une espèce, vous pouvez une bonne aussi le projet. Parlons de la République démocratique du Congo précisément. Mais c'est là où je suis en train de te parler. Nous avons les, nous sommes, on n'est pas indépendants, on est encore esclavagisés. Économiquement. Malgré 6 ans, Abino, malgré 6 ans, il y a régime Oyo. Tozakaka indépendante sur le plan économique, politiquement. Économiquement, on n'est pas encore libéré. Parce que nous avons l'économie qu'on appelle l'économie extravertie. On n'a pas de multinationaux congolais. Ça, c'est un. On n'a pas de grands hommes d'affaires. Oyo, il y a des Congolais, au bazana économie dans Maboko. À l'époque, il y a Marshall Mobutu, malgré que vers la fin, il avait dit que non, il est regretté, Makambo, à ça, il y a des organisations. Mais à l'époque, Tozagana, Lusakivana, Tozakana Kansebo, Tozakana Dokolo, Tozakana Panu Sylvain, Tozakana Fonti, Tozakana Kazadi Padis. On avait plusieurs Congolais, Bazakana Bavion, Bazakana Tozana Moussouso Moukandila Monjumule, et on avait plusieurs Congolais. Ils avaient des côtés à transport, Bazakana Bavion à Bango, comme Fonti, comme Moukandila, comme Padis, et côté à importation, il y a vivre. Frais n'a pas vivre nos frais, tozana n'a pas Kansebo, tozana n'a pas Lusakivana, tozana n'a pas Dokolo. Troisième point, Janine. J'arrive, il y avait l'équilibre sur le marché. Bon, maintenant, troisième point, c'est sur le point armée, sécurité. Il y a que l'Occident qui nous impose toujours. Et il y a plusieurs points où je peux commencer à soulever. L'Afrique n'a jamais été indépendante. C'est aujourd'hui. Autre côté, on a un problème il y a 6 ans. Sixième année, on a un problème. Les Londres, on a son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec sa diplomatie gagnante et intelligente, il a recadré homologue Macron à maintes fois pour que nous avons une bonne considération sur le net. Nous avons que bisoto bande kolanda kaka obino bozolinga malgré ça tozaka indépendante et malgré ça mais ils ont ouverture. C'est ça le débit. Na lingani na lobake na lucese na biso ya ba africain ba lobake soki o monindoki belela avant ngongo e kangama. Et ce que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de dire aujourd'hui, ça n'a jamais été dit par ses prédécesseurs. Mobutu le disait, mais yesiko komisiko kokende avec un radicalisme
kocha mundele place na ye et quand il y a hier azobeta Paul Kagame bibotu na allocution à Ottawa d'abanda ko sala il est en train de ko sala faire ce qu'on appelle en français humilier Paul Kagame mais ce n'est pas Paul Kagame seul qui nous agresse, qui nous pille, qui pille nos ressources, qui fait violer nos mamans. Une personne sans pour autant communauté internationale est sanctionnée et tout ça, peu importe l'humiliation, mais laisse les arts pacifier. Est-ce que c'est important? Justement, il doit faire ça pour d'abord humilier Moutou Oyo. Six ans, humiliation à humiliation oui, pendant 6 ans. Il faut le faire, mais on est passé. On est passé. Retombé ça déjà, madame. Aujourd'hui, là, à l'Est. Nous avons nos frères congolais, tous les patriotes, et à l'époque, il y a 22 ans, les Congolais ne pouvaient pas tenir la tête et parler sur l'agression, parler sur le viol, parler sur l'occupation du territoire. Mais tous les gens, c'est grâce à la personnalité à son excellence, Félix Antoine Tshilombo. Ce qui reste mémoire, Mamadou Ndala avec le général Bahouma, ce qui base à la gestion. Il y a son excellence, Félix Antoine Tshilombo Mbele. Et son apostol libérant, Mbele, Bakoufate. Mais Bakoufate, parce qu'ils se sont retrouvés dans la génération, dans la gestion. Mais dans le régime, on peut Bakongolais, Mbele, Bakoufate, dans l'Est. Non, Bakongolais, Mbele, Bakoufate, parce que Bakoufate, Mbango, par rapport à infiltration, mixage, brassage, na occupation illégale, il y a territoire, Nabiso. Mais à l'époque, Mbouza Mabe a joué quatre décisions avec Mapinga Nabiso. Batambolaka quelques kilomètres, il y a Banyangalakata jusque na Kati ya Rwanda. Et Awolobi, Mitindu Mikwei, Ndenge, Balobaka na arme, à salaire réplique directement, Balongule na es, Ayawa, Tozana été. Mamadou Ndala, la même chose. En général, bon, qui fragilise la situation de l'Est, et ça, mixage, brassage, intégration, infiltration, et ça, et belé. Mais Ndenge réforme, il y a arme, comme ça, les ma. Bah élément bah comme il comme belé multiple il y a bah effectif et on est dans les bons différemment avec 22 ans l'armée congolaise reste faible jusque là pas importe les réformes non il y a beaucoup de choses qui ont changé madame na principe moi je suis criminologue na principe il y a makambu oyo il y a enquête infiltration investigation. Si vous avez une personne qui est infiltrée, un traître, vous êtes déjà des perdants. C'est ça le principe qu'il y a dans le service de renseignement. Mais, les réformes sont en cours et ce n'est pas dans un jour où tu as les réformes et surtout que notre pays, on est en voie de développement. Je te donne l'exemple facile, il y avait aussi ce qu'on est en train de parler ici chez nous, la Chine. Les Chinois ont été colonisés par le Japon. Mais Eroba Chinois, Bazoka conscience, c'est la conscience qui nous manque encore, nous les Congolais. Mais ils ont fait plus de 10 ans pour que les Chinois puissent se prendre en charge. Il y a infiltration, il y a un service de sécurité, renseignement, service spécial, pour que les Chinois aient commandé les Alilo. Mais ici chez nous, nos hommes politiques, c'est très facile à être manipulé au service de l'Occident. Nous avons plusieurs officiers. De position générale. Quelques. Parlant des autorités congolaises. Quelques politiques. Et nous avons plusieurs officiers généraux, officiers supérieurs. Oyo, bazo futa malibanda, et pas batou. Oyo, bazo agressé biso. Bazo te kamèche matin, midi, soir. Y compris, communauté internationale, bazo, sous couvert. Organisation, c'est les difficultés que nous avons, mais nous marchons lentement et sûrement, différemment avec 22 ans, Yafdel et Sikabatiakbis Nabombo. La communauté internationale reste à miouette jusque-là. Doit-on privilégier la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi? La diplomatie de son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est payante. La communauté internationale, miouette oui, miouette non. Parce qu'il y a quelques pays, où il y a l'Europe, la France, l'Allemagne, Suisse, Belgique, même l'Angleterre, même le Canada, le Parlement, 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 le
massacre à répétition, génocide, pillage de nos ressources, différemment avec complicité, il y a ma prédécesseur Naé. Et quand de telles choses commencent déjà, il y a, que ça l'a défini comme ça. Mais de la diplomatie à Félix Antoine. Makassi. Makassi et chapeau bas. Et de deux, parce que c'est une guerre mondiale silencieuse, Oyo, toujours la troisième guerre mondiale silencieuse, Otozanangwao. Pour que Potolongonaboumbo, Oyo, le Sengel Bissoumo d'abord conscience, Ezonga, en commençant par la tête, comme son Excellence dénonce, et Bissoumo Seba Congolais, toujours conscience, Tokolonga. Et quand on parle encore de la situation il y a que dénoncer, parce que Mundele, quand il vous voit que non, vous êtes Boza Balembele, Binomoko Boza complice, il y a Maye, oh, il y a Zoro Kanabino. Il vous profite. Mais quand vous commencez, il y a côté Melango, en masse, deux personnes, trois personnes, est-ce que vous êtes là, on a mon pico. Ça crée l'équilibre. Il est important de dialoguer entre nous, Ndenge, Martin Fayulu a proposé qui. Mais ça dialogue entre nous Congolais et Zamabete. Le monde a été créé pour Namaloba, mais là où on se pose des questions sur les dires, il y a Martin Fayulu, la personne qui a la vision, qui peut convoquer le dialogue, c'est son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui connaît comment le pays fonctionne. Il y a un qui convoqué le dialogue, n'a pas formé un dialogue. Et avec ce qu'on appelle en droit cadre juridique et dialogue, c'est son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais quand lui vient avec les idées, des pensées, c'est comme s'il devient comme acteur principal à dialogue. Mais là, on se pose des questions. Maintenant, à cause de la dialogue, on avait quelle casquette? Président élu, candidat malheureux, ou bien comment? De deux, Yann Banyangala Konsoutou Kokende Awa, Bananga, Nabamsousou, Bakeko Sangana, Na Moutulabango Paul Kagame, qui tue les Congolais, et il n'y a pas longtemps, dans ça, qui est Batokoufaki, Nagoma, il y avait bombardement, et ce qu'on sort. Bon, ce qu'on batouana, il faut te définir, toi, Banani, à cause de la dialogue, nan à cause de la tête. Ce qu'on batouana, Baké, Kosanga, Nabangouna, Bakongole. Bakosa la peine à dialogue, bien Bakosa la tête. Parce que Bakoyana explique, non, après dialogue, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cela, amnistie générale. Pour dire que bah crime on se sale na est ndenge sénateur à vie à désactiver peine capitale peine de mort c'est ça ce qu'ils vont encore vouloir récemment mais ce qui se toque ndemona on ne voit pas pourquoi le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son discours exige les sanctions efficaces contre le Rwanda, et c'est pour la première fois, déjà je dirais non, mais est-ce que cette fois-ci va retomber à discours Naéo et que ça va vraiment, la communauté internationale va respecter discours Naéo pour sanctionner peut-être Rwanda afin que l'Est soit pacifié? Non, bon, va respecter discours, oui. Tu sais que c'est l'Occident qui nous fait la guerre. Avec complicité, il y a un pays où ils ont un zinga zinga na biso. Deuxième acteur, troisième acteur, les Congolais, bazo utiliser bango pour que bazar va répondre à l'interne. Et Paul Kagame, avec ce que nous appelons réforme, on a beaucoup crié ici que va réformer Conseil de sécurité général des Nations Unies, va réformer ONU, mais elle est ce qu'on va comme que va fongola tio. Il y a des pays, il y a l'Afrique et l'Afrique comme membres permanents, mais sans droit de veto. Et avec appui Oyo Kagamazango avec des Américains, il y a des ses privilèges. Maintenant, pour humilier Oyo Bakoko, il y a des appuyer Kagame, c'est ça ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, il a accusé les terroristes, les génocidaires Paul Kagame directement, auprès de ma père Naye. Que cette personne n'est pas. Mais la première fois, ce n'est pas la première fois. Alors. Mais là où je suis en train de parler sur les réformes, il y a Nations Unies avec Conseil de sécurité générale, il y a Nations Unies. Parce qu'il faut que des pays, il y a Afrique et Kota, pays Moko, il y a Commonwealth, il y a Anglais, il y a pays Moko, il y a Français.
Comme RDC, c'est le premier pays qui parle la langue française pour le monde, et ils ont des critères rebelles, où il faut tous aller. Nous devons être là, et son excellence a déjà postulé, côté à mes membres permanents, mes membres non permanents. On a postulé, et il a fait ce qu'il a fait pour dénoncer que Paul Kagame n'a pas droit à postuler, soit à bas retenir, soit à l'appuyer, par rapport à la casquette ou à génocide. Il pille au Congo, il tue au Congo. Si le complicité de la communauté internationale, bah, français, des Américains, se consorte, c'est là où on parle que ce qu'il a fait, il devrait le faire. Et c'était le moment où le monde Mobimba, Bazolanda, où il y a des cas. Et coup de chapeau à son excellence. Yo lokola Congomani, citoyen congolais, lolenge kani okoko partager makanisi na comment les Congolais peuvent accompagner le président de la République pour na makambo etali est afin que okimikota. Et tu sais que na législature il y a fois passé, on suivait très bien le président Otwana Robenga Joe Biden, président Bosso. Il dénonçait toujours que mes collègues députés quittaient les groupes armés. Et ma yéno so est à kaka théâtre. Ma yé oezo le kana est, ma première acteur y a inscrit à est sont des politiques. Plupart des politiques y a est. Baza ba affairiste et ba coach na politique pour se couvrir, bazo ba humilité politique wana, ba se cacher. Et aujourd'hui, quand nous parlons. Mais jusqu'à là, bon dénoncer, attends, m'arrêter. Ce n'est pas un problème, le moment va être déjà arrivé. Et au moment où nous parlons, la conscience est matée déjà par les Congolais avec colère pour dire que non, trop c'est trop. Nous devons mettre fin à tout ce qui se passe comme pillage à des ressources, massacre, génocide de ce qu'on sort. Et à l'interne comme à l'externe, et ce qui se passe, c'est déjà un bon départ pour que yo kolo borna, yo kolo kwanga, batte la kwanga na yo. C'est ça, c'est que son excellence fait Saint-Antoine Cyril Tshilombo est en train de faire. Et avec ce qu'il fait, comme Bisso Toza Bato Tozo Linga, que nos mondes, ils ont la bilatérale, ils ont la multilatérale, ils ont la toujours que non, ils ont la bipolaire. Pour bien dire, monde, ils ont la multipolaire, bipolaire, c'est même multipolaire. Toza la naba leader à gauche, à droite, parce que les bossés Zagaka, États-Unis, avec Troïka, ceux qui sont en lobby, tout le monde doit tempérer l'ordre. Mais aujourd'hui, on voit Corée du Nord, on voit Brésil, on voit Russie et on voit l'Iran. C'est ça ce que nous voulons, que de telles choses, ça va faire refroidir la force. Hein, soit chaleur, il y a le comité international des Américains, des Français, des Anglais. Oyo, parce que le club na bango, il y a qu'on domine le monde, qu'on dicte le monde et qu'on esclavagise le monde. Et c'est ça ce que nous voulons et nous tendons déjà vers chemin, il y a changement radical. Très bien, Tozo Kenebongo, petit à petit, vers le changement. Espérons que l'Est sera pacifié. Nous allons chuter par cette question de Kamboïtali Bongo, Constitution et la République démocratique du Congo, Mozitoti. S'il y a dialogue, il doit d'abord concerner la rédaction d'une nouvelle constitution par un constituant élu. Alors, M. Thoms, êtes-vous d'accord pour une nouvelle constitution et puis le pourquoi? Êtes-vous d'accord ou pas? Je suis d'accord pour la constitution. D'ailleurs, il y a autre chose que vous dénoncez avant. Le fait que la constitution est une œuvre de l'article de la constitution. La constitution est copié-collé la constitution française. De deux, plusieurs articles ont facilité l'insécurité au Ezana Est. Article 64, alinéa 2. Qui dit que non, ceux qui sont assez mécontents n'ont pas pouvoir en place, à quoi ben dans Azu Munduki, Ayeko Bumbisa, Bao Bazo Bazo Kamba. C'est pour te dire que Batiki ma brèche. Pour que ma Congolais pas bon man. Tongo midi pourquoi qui m'y kotate. Avec constitution et asika article ana tout ça on peut mener. Article mususu ezakona ça doit être 51 où ils ont le bas sur les tribus minorités.
Mais changement, tobo simba juste car moi modification non, voilà madame, quelques articles. Madame, il faut changer. J'avais arrivé. Allez-y. Article 51 parle sur les tribus minorités. Mais nous avons des conflits à Wana Plateau de Bateke, Bayaka avec Bateke tout ça. Des Yaka avec des Teke. Mais toi qui Teke des Yaka barbi que non ndenge bazobo mbande kona bisowa et nous biso toza communauté internationale. Toza tribu moko minoritaire, tokomi kolinga tozwa bonsomi ya mabele na biso bayaka soit bateke. Mais pourquoi c'est toujours à l'est? Là où on parle l'est, il y a toujours un tribu qui se fait toujours victimiser au Banyamulenge. C'est l'homme occident qui est derrière ces histoires là pour que Estouanez elle a toujours fragilisé, elle a toujours en conflit matin midi soir avec des articles de la constitution taillés sur mesure. Et pour mettre fin cette constitution doit être écrite par des constitutionnalistes congolais. Bazo a culture na biso. Bachakuna, bazo a bokoko o na biso. Bochakuna et tolandela. Là ça sera après le président actuel, ce qui a si bon mandat na pour respecter la constitution. Je te fais d'abord voir une chose. Allez-y. Constitution na biso yo bakana o sala ona Sand City. En 2006. Personne n'avait mandat. Il y a quoi ça la constitution. Les députés ont bakendaka kuna bazaka désigné. Bazaka élité par le souverain primaire. Mais aujourd'hui nous avons un pouvoir légitime et souverain primaire n'est à élire autozo ba ba législateur et bazana mandat il y a quoi ça là avec force union sur ce qui va s'y ici, Borongo, et continuer à référendum, et avancer. Mais bah, oh, mais là, il y a un peu de temps, il y a un mandat à peuple. Mais le temps est arrivé, le temps a sonné, pour que total, pour sauver ce pays. Parce que biso ce qui a sauvé Mboka, changer la constitution. La constitution, c'est la mère des mères, Yamibeko, Oyo. Et même loi, il y a des pères et des mères. Il faut les ongles. Là aussi, c'est un faux débat. Et il y a un c'est un grand débat. Mais président de la République, il y a un grand débat. Mais quand le président, c'est le souverain primaire qui décide. Dans l'anda qui est de là, ceux qui sont de là, président, il y a parti où il y a Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il avait dit? En France, elle dit que non, quand parti où il y a biso ceux qui continuent à pouvoir, PN, ceux qui PN, ceux qui parti socialiste, ceux qui tout ça, ceux qui aussi nous passons au pouvoir, la première chose à faire, c'est que tel est là, le pouvoir soit la gestion régalienne, mouyaka, soit n'importe qui a quoi, il y a le sous-souté, toi, il y a le sous-souté, autant que kaka, la fonction régalienne, tout le monde. Non, nous allons réglementer les choses, toi, qui est qui. En France, des pères et des mères les a déjà, pas seulement les parents déjà. Mais quand ça se fait ici chez nous, on ne voit pas les mal. Et Kabola Raba Congomani. Non, et Kabola Raba Congomani, ce n'est pas dit que non. Quand toi tu fais la politique, il faut toujours être gouverneur de la Banque centrale, il faut être toujours premier ministre, il faut être toujours ministre de la Défense, soit intérieur. Non, il y a plusieurs fonctions, toi étranger, oh, quoi ça là. Zala, on zala feriste. Zala, ba plantation. Oh, l'on a massango, oh, ça la ba ferme, ça la ba bangoulou, bangoumbetola. Ce n'est pas dire que non, il faut toujours venir nous gérer et un pied dedans, un pied dehors, aller signer des accords. Moko bidon, neti otozo beleya fidel, oh, sénateur a bien signé qui, il y a quoi hypothéquer Mboka avec tous les quatre provinces à Est. Pourquoi toutes ces histoires-là? Parce que c'était venu avec dictat. Il y a homme étranger avec Afdel. Nous devons se sauver nous-mêmes. Ndenge baïf saka yesuna koulous. Et pas moi, biozaka na mpazina. Que ceux qui osent moi dans un. Mais si aujourd'hui. Sauf moi aussi. Nous devons nous sauver. Monsieur Thoms Kapuya, si aujourd'hui on change la constitution, cela veut dire que le président actuel restera en fonction. Non, non, mais il reste en fonction. Qu'est-ce que tu veux dire par rester en fonction? Est-ce qu'il va s'éterniser? Il fera 100 ans? Il fera 1000 ans au pouvoir? Mais tu as dit que tu as 4 ans. Non, mais 4 ans, c'est rien. Il y a 4 ans.
Il y a un fils du pays et lui parle des Congolais. Mais FDL nous a dirigé ici pendant 22 ans. Qui pouvait ouvrir la bouche si ce n'était pas Sphinx? Et c'est Tshisekedi qui dénonçait. Et malgré, il y a FDL. 22 ans, 18 ans. 22 ans. Le régime passé. Mais c'est l'AFDL. Joseph Kabila, c'est continuité, il y a FDL. Non, non, mais c'est continuité, il y a FDL. Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'était son père. Mais moi, papa, confie-moi Nazui. Azoua qui parle, pas par quelle magie. Il était élu, c'était pas les élections. C'était toujours par continuité à coup d'État, il y a FDL. C'est 22 ans où FDL les a colonisés ici. Bah, accord. C'était urgentement. Bah, accord. Bah, accord. Bah, accord. On y a ce bidon. Balkanisation, toujours, c'est le pouvoir de l'AFDL. Mais quand on voit fils de pays, Toyebi, papa Naé, Toyebi, maman Naé, Toyebi, Batoy, Apolena, Bango. Mais pourquoi on peut discuter sur les 4 ans? Reza. Discussion, moi, au sens. Donc, Atika a régné même pendant 32 ans. Même à quoi ça la s'entente? Il va travailler, comme il a de la vision, il y a quoi développer, il ne fera pas 100 ans, mais nous voulons quand même changement, pas révision. Pas révision, mais changement. Changement à la constitution pour sauver ce pays. Toye bananazanani, et tozong le petoye baké erof de la kotaka. Combien de personnes bakota? Et toi, bah, infiltré, bah, zanani, et toi, recadrer chaque personne est à sa place. Le pays sera sauvé. Très bien, merci beaucoup, M. Thames Kapuya, chers internautes. Je tiens à rappeler qu'on a Yambela Kibino Bongo, Mwanamboka, Thames Kapuya, Zabongo 4, au sein de ces grands partis présidentiels UDP. Naye, tout le bon discours, il y a chef de l'État, tout le bongo, l'Italie, Constitution, il y a République démocratique du Congo, M. Thames. Pendant 30 secondes, au retour de la bonne caméra, Nayo, et l'Oponino et Sengil Nabiso, Bakongoman, et tout retenir. Nous devons retenir une grande chose, c'est d'abord la conscience. Nous avons la chance d'être appuyé par les pouvoirs en place et par être appuyé par les Congolais. Parce que la personne qui gère le pays aujourd'hui, fils de Sphinx, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est pour le changement radical, le peuple d'abord, et sauver ce pays ici, l'esclavagisme, il y a homme occident. Toti que la yémo côté, mais bisopé tout appuyé par l'idée naïe pour que. Responsabilité au Yazanango, Ezala équilibré, ya lobby, bisoto lobby, ya bisoto lobby, ya sali, pour que tout le monde ait un bon, ya homme occident, trop c'est trop. On ne peut pas toujours rester, ya quoi envier, car il y a trois pays, ya Sahel, Mali, Burkina Faso, avec Niger. Mais ici, au Congo, comme un pays continent, comme un grand pays, nous devons montrer l'exemple. Et tous les cas, bah, oh, bah, qu'on appuie son excellence. C'est par ici que nous mettons un point final na numéro Oyasika. Chers internautes, nous vous demanderons aussi de vous abonner massivement, mais aussi partager la vidéo. On se verra prochainement. Je dis un grand merci à l'équipe technique. On se verra prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao.